Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau fond à l'alcool. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'aime bien travailler sur une base de hasard comme ça. J'ai seulement décidé des couleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors j'ai commencé par faire un fond noir, juste à la peinture, tout ça, mais vous pouvez aussi le faire au gesso noir. Ensuite j'ai mélangé de la peinture blanche avec un peu d'eau. Alors j'ai mis à peu près moitié-moitié. Et donc je vais étaler ça. À peu près sur l'endroit où je veux que soit mon sujet, voilà. Donc j'en mets pas une couche trop fine, hein, sinon ça risque de sécher trop rapidement. Ensuite, je vais asperger un peu d'eau sur les bords de manière à ce que mes bords soient pas trop nets. Donc là, je mélange un peu ma peinture avec l'eau que j'ai ajoutée. Et maintenant, je vais asperger un peu d'alcool à 90 sur ma toile. Et ensuite, je laisse sécher. Éventuellement, quand ça aura commencé à sécher et que ce sera plus trop liquide, trop une flaque qui va bouger tout de suite, je pencherai un petit peu mon tableau pour donner un sens, pour qu'on ait l'impression que ça fait une vague un petit peu dans un sens. Ouais. Alors maintenant mon fond est bien sec, je vais ajouter de la peinture blanche pour rajouter un peu de contraste et puis surtout délimiter mes formes. En tout cas les accentuer, je vais quand même me baser sur ce qui est déjà fait. Du coup je mets ma peinture et ensuite je l'étale avec un peu de médium.
Alors ensuite, une fois que mon blanc est sec, je vais refaire exactement la même chose. Je vais repasser exactement là où j'ai mis du blanc avec du bleu. Et donc l'étaler de la même façon avec du médium.
Maintenant, je vais ajouter encore de la même façon du orange. Alors, plus ou moins sombre, je verrai un peu comment je fais ça. Je mets ma peinture et je l'étale avec mon médium. Si jamais vous débordez sur le bleu, vous pouvez, avec un pinceau humide, vous pouvez décoller la peinture facilement, tant qu'elle n'est pas encore sèche.
Alors maintenant que j'ai tout couvert, je vais pouvoir peaufiner un petit peu. Je trouve que ça manque de bleu par endroit, peut-être d'orange aussi à d'autres vers le centre, voilà. Donc je vais arranger ça petit à petit en ajoutant les couleurs de la même façon que je l'ai fait précédemment. Alors voilà ce que ça donne. Comme je le disais, j'aime bien faire ce genre de tableau qui part du hasard parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Et puis bah voilà, j'aime bien pouvoir aussi rajouter des couleurs par-ci par-là, un peu plus, un peu moins. On peut toujours en rajouter sur ce genre de tableau et j'aime bien ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.